La rentrée judiciaire a eu lieu hier matin au palais de justice de Libreville. Au cours de cette cérémonie présidée par le chef de l'État, le premier président de la Cour de cassation a été installé. Les détails avec la presse présidentielle. Bouquet de fleurs, tapis rouge et hymne national pour le chef de l'État, l'audience solennelle de rentrée des classes, ou plutôt des cours et tribunaux, se tient au palais de justice de Libreville. Le double événement de ce jour est le premier pour Pierre Claver Maganga Moussavou, le vice-président de la République à ses côtés. Promu le 7 septembre dernier, Jean-Jacques Oyonnax, magistrat hors hiérarchie, est installé dans ses nouvelles fonctions de premier président de la Cour de cassation. La seconde phase de l'événement est marquée par cette audience solennelle de rentrée. Au nom de la famille judiciaire, le président de la Cour des comptes a souligné l'importance du rôle de l'institution judiciaire dans ses missions régaliennes pour regagner la confiance du corps social. Bien que satisfaisant et encourageant, notre bilan de l'année judiciaire écoulée ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. En effet, nous devons nous engager à faire mieux au cours de cette nouvelle année judiciaire, car la politique volontariste de M. le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de la mission justice, doit être soutenue par le pouvoir judiciaire que nous représentons afin de produire les résultats escomptés. En arrivant dans cette enceinte, le président Ali Bongo Ondimba veut donc donner une impulsion encore plus forte à l'amélioration de l'offre de justice en République gabonaise. L'exercice 2015-2017 s'achève. Plan judiciaire.